Ok, bonsoir tout le monde et m'espérez que ma forme, que nous t'aimons bien, que tout va être correct et bienvenue sur page moi-même, Karel, Show Karela avec Ticket Magazine pour belle petite conversation ça que nous-mêmes nous allons faire qu'on y a. Qui sa conversation, nous certainement t'es affiche là, bravo, décidé lancer des forums sur santé sexuelle. Des forums qui c'est des conversations avec des professionnels qui dans domaine là, des mounes qui dans secteur qui dans vie sociale là pour parler de santé sexuelle. Et premier sujet aujourd'hui c'est stigmatisation. Ou bien dans langage courant, on est capable de dire stigmatisation. Qui ça qui stigmatisation? Pour qui ça lié important pour nous combattre stigmatisation? Comment stigmatisation vient permettre que nous développer discrimination? Nous tous connaissons que nous ne pouvons pas vivre dans une société qui a une discrimination et nous devons combattre la discrimination toute forme, sous tout gens que lié. Et très souvent, c'est une stigmatisation ça, qui vient tourner les choses normales dans la société pour nous-mêmes. Alors que dans tout côté, côté que tout le monde comprend et décide de vivre sans discrimination, sans stigmatisation, il n'y a pas fait sens. Très souvent, nous prenons des choses qui c'est des bagages stigmatisants, nous mettons et puis nous disons, ah, c'est culturel, c'est haïtien qui con ça, c'est comme ça que nous pensons, c'est comme ça bagaille yo, etc. Et puis finalement, c'est ça qui permet que société nous, hein, d'un côté le rivet, que le pas à avancer. Je dis, on a parlé de stigmatisation avec santé sexuelle, on a parlé, bien sûr, de communauté LGBTA, comment ils vivent stigmatisation qui gagne contre eux-mêmes, comment ils vivent discrimination. Nous allons parler tout avec monde qui, n'a pas parlé de monde qui PVVIH. Pour qui ça? Parce que très souvent, en pile monde stigmatisé, monde qui gagne virus et vivent avec virus VIH. Là. Grâce à Dieu, avec un pile recherche qui fait dans le monde l'inconnient, la médecine permet que monde, même s'il gagne virus là, il est capable de vivre aisément. Et vivre en santé, bien vraiment dit vivre en santé. Ça veut dire, c'est pour moun kap tombe malade tout le temps ou bien qui a un problème si li suivent traitement normalement. Nous pral wè sou tout ça, nous pral wè comment ça y est dans le pays. Moi, j'ai avec moi des professionnels qui sont extrêmement passionnés par le sujet et c'est pour ça que moi, moi excité, pour ça qu'ils pral parler. Moi, j'ai Ewol Josué qui supposé rejoindre nous, qui peut arriver rejoindre nous là, qui supposé rejoindre nous dans un petit moment pour parler un petit casse. Ewol, c'est un artiste, c'est un monde tout qui sont vaudouisants, etc. Et lui-même, il pourrait parler de comment lui vivre, ou bien lui ouais, causer stigmatisation. Et puis, bien sûr, connecter avec santé sexuelle. Moi, j'ai avec moi Darlene Armand, qui lui-même c'est psychologue, dans une institution qui c'est COV, qui lui-même travaille avec moun qui yo même PVVIH, moun qui est dans la communauté LGBTA. Et tout moun sa yo pral ensemble, ban nou ti conversation. Ti conseil ou bien et ban nou parole sou cause ça. Nous t'avons affiché là, nous t'avons peut-être ouais que nous annoncé Esther Boussico, qui lui-même c'est une icône non et causé lutte contre stigmatisation, mais lutte tout pour droit monde qui PVVIH et comment que monde ça est capable vivre en santé. Malheureusement, Esther pas disponible, mais moi j'ai avec moi Michel Megan qui lui-même c'est médecin et directrice programme dans Fondation Esther Boussico Stanislas qui lui-même si me fait erreur peut-être Michel pour corriger moi là un petit moment, mais qui il même travaille avec justement monde qui PVVIH. Histoire Esther là extrêmement passionnant puisque me songe très bien na fin année 2000 yo te gagne un film documentaire qui te fait sous lit côté que t'a raconté histoire la ville et comment li rivé goumen contre maladie ça et comment expérience parle tout vienne pousser le créer fondation ça qui travaille avec moun sa. Donc voilà un panel extrêmement intéressant, une conversation tête chargée que nous même nous pral faire là konya sous causer stigmatisation avec santé sexuelle. M'a quitté mesdames yo présenter yo bon en attendant que nous recevoir Ewol. Bonsoir mesdames, bienvenue dans petite conversation ça que nous fait. M'espérer que l'introduction m'a pas fait trop erreur dans non nous et façon que moi présenter nous. Bonne nouvelle, nous comment nous y est? Bon, je peux commencer? Bien sûr.
Ou ka komanse de pou. Merci Karel pour nous connecter Jean Panel ou à son panel qui chargé moi et thème nous vraiment intéressant donc c'est un honneur et un prestige je vous dis pour nous capable avec nous aujourd'hui pour nous parler de stigmatisation. Donc moi c'est Michel Mignan, moi c'est médecin de profession, moi c'est directrice technique de la Fondation Esther Boussico Stanislas et Esther Boussico c'est maman. Donc c'est tout parcours li, moi vivre avec lui, toute lutte li, toute humiliation li, tout ça qui belle de tout rivel, moi vivre avec lui parcours là me connaît très bien. Donc je dis moi à parler dans nous en fonction de ça lui même li dans histoire li, dans porte expérience li, ça que lui même li vive dans fondation en tout ça que nous même nous rencontrer chaque jour dans quatre services que nous offrons à personne vivant avec le VIH, la communauté et les travailleuses de sexe. Les enfants au vulnérables. Donc, son plaisir pour moi là, aujourd'hui. Voilà, et bonjour, bonsoir, Darlene. Bonsoir, Karel. C'est Esther, c'est le Michel, docteur Michel. Michel, oui. Docteur Michel. Et moi, content là avec nous sur le panel aujourd'hui. Et moi, salue tout internaute qui a suivi l'émission ça aujourd'hui. Donc, voilà. Non, Pam, c'est Darlene Armand. Mm-hmm. Et moi, c'est psychologue et je travaille dans la Fondation Céologie. Disons que dans le parcours et dans ma carrière professionnelle, moi, ça fait moi, j'ai une opportunité et pour moi, travailler avec la Fondation Céologie, côté que nous avons de bonnes collaborations. Pendant que nous avons fait prise en charge et prise en charge psychosociale, le monde qui est infecté à VIH et avec un professionnel de sexe, y compris les personnes LGBT. Voilà, parfait. Voilà, et en attendant que Ewol retrouve nous, puisque Ewol lui-même tout doit rentrer dans le panel là, mais je pense que nous sommes capables de commencer. Je vais commencer avec vous, Darlene, puisque l'histoire de Dr. Michel là lui-même, a l'autre sens pour moi-même, puisque il a à la fois grandi jeune Timoun avec l'histoire maman, que lui-même lui vive, et il a travaillé dans la Fondation Maman. Et n'en déplaise à bien sûr absence et Esther, même penser que son bon emplacement que lié pour débat jeudi à m'espérer que et maman côté lié pour le tendre et pour être très fier de apport qu'on va porter dans le panel là. Donc Darlene, puisque vous même ou c'est psychologue, comment ou capable de définir et présenter Mounio qui sa stigmatisation? Ou qu'on est en créole là, quand nous très souvent nous utilisons des mots, nous changer au sens, et puis bah arrêter dans le langage courant, et puis bah j'aime vraiment qui ça le dit dans la façon que nous parlons. Comment qu'a dit Mounio qui ça qui stigmatisation? Ok, en fait, pour nous parler de stigmatisation, nous pas capable disons commencer sans parler de Evin Goffman, qui c'est un sociologue canadien. Côté lui-même, il définit stigmatisation comme un processus dynamique d'évaluation côté que yon moun côté que disons que comme tu as dit ça, yon moun discrédité. OK? Yon l'autre individu, l'autre moun aux yeux de l'autre moun. OK. Qui ça nous veut dire par là? Moi mais définition ça pour qui raison faire moi même. Parce que dans la définition, ça nous est et surtout, et, ça c'est pour les psychologues, et là-dedans nous capables d'entrer, là-dedans nous capables de voir une définition qui paraît un peu psychologique. Et, mais là nous parlons de processus d'évaluation, pour qu'il y ait discrimination en fait, et il commençait par un processus mental. Cela veut dire c'est à partir de processus mental ça qui fait que on fait évaluation. Donc évaluation même c'est un processus mental qui permet que on discrimination envers un monde et par rapport à l'autre monde. Alors discréditer mon temps, faire mon ça perdre du valeur. Maintenant c'est à partir de évaluation ça qu'on fin faire de monde ça qui va faire que on mettez et ou mettez vous ça à l'école. Donc, vous faites une évaluation, donc c'est tout un processus, vous faites une évaluation. Et évaluation, ça mène à un ensemble de différences. Et différences, ça,
qui dans société a qui qu'on considérer comme contraire à norme société a. Mm-hmm. Donc du coup, puisque au fin faire une évaluation qui son processus mental, donc moun sa ou établi différence qui gagne et selon norme sociale yo, et puis maintenant gagne une mise à l'écart de cette personne là. Donc, okay. En gros, c'est comme ça que nous sommes capables de définir stigmatisation. Donc, nous faisons aller entre ça, Evin Goffman dit, de question stigmatisation et de définition tout simplement de stigmatisation qui s'est mise à l'écart et des personnes par rapport à différenciation. Tout à fait. Merci pour présentation ça. Michel, moi, aller au tourner, j'espère que tout le bagage est correct. On y a... OK. Bon, en attendant. Ça fait la connexion, mais ça va au moment de. Mais on était correct tout à l'heure et n'a pas le comme ça. Vous connaissez. Vous connaissez. Nous connaissons. Voilà, nous t'attendons nous à ça de toute façon. Oui, comment vous-même comme médecin et qui travaille justement avec des monde qui stigmatisent dans la société a capable de définir stigmatisation dans la façon qu'on vit dans la société haïtienne? Bon, Michel Oula? Oui, je suis là, tu m'entends? Oui, est-ce que tu entends des questions? Non, je t'entends très bien. Oui, allô, je t'entends très bien. Allô, tu m'as... Oui, très bien. Oui, je t'entends des questions. Bien. OK. OK. Donc, nous avons dit que... Je nous concevoir cette stigmatisation dans le quotidien Michel, il est pas bon du tout. Autant d'elle, darling. Michel, il est pas bon. Allô Michel? Malheureusement, mon problème de connexion. Alright, malheureusement, mon problème de connexion et pour Michel, on a demandé Léa qui lui-même a fait coordination yo, en coulisses pour lui fixer problème ça avec Michel et ou bien faire Michel tourner premier côté que le DIA parce que il était passé très bien. Non, pendant que nous-mêmes nous t'a fait test yo. So yeah, on y a continué avec conversation darling pour dire nous présenter notre cas travail pas et ce que on a fait sur le terrain et dans cadre support que on a bail monde qui est PVVIH et monde qui dans communauté LGBT et comment que ou même tout a goumé avec ensemble avec eux, contre stigmatisation avec discrimination dans la société. Et, darling, je ne t'entends pas. Ça me connecte au bagage là, mes amis. Je me détends très bien à l'heure. Mais qu'on y a, c'est pas ça. Mais on disait moins qu'il y a un problème non mais je pensais que tout à fait correct. Voilà, darling, ça revient. OK. Disons que ça fait des années depuis que ma travail sur vie. Certes que moi j'ai des expériences en clinique en tant que psychologue, mais quand je suis arrivée à sur vie, c'était une autre perception. Par exemple, on est toujours qu'on parle de questions de stigmatisation et questions LGBT. Mais là, on a bien fonctionné avec nous, c'est des réalités, nous sommes capables de dire qui triste. En plus, là, on rentre à attendre un ensemble de monde
qui a parlé de ça, ils ont subi en termes de stigmatisation, de discrimination, soit les PS, qui sont les professionnels de sexe, ou bien des gens qui vivent avec la SIDA, et le groupe LGBT. Donc, c'est des bagages souvent qui, j'ai nous dit, qui sont très tristes. Et c'est souvent qu'à finir des bagages que nous vivons, il y a plein de temps, et puis c'est des larmes aux yeux. Donc, pour moi, c'est une bonne expérience, parce que qui a continué et qui remplit le travail toujours pour nous faire la question de stigmatisation. Oui, tout à fait. Michel, semble au bon oui là. Allô, Michel? Décidément, aucun problème. Michel, où là? Allô, Michel? Bon. Décidément, aucun problème. Non, image Michel la frise, j'ai l'impression que le pas ni tendre nous ni interagir. Et maintenant continue conversation, c'est qu'on y a et panel moi avec ou et d'aller n'a pris le inter. Quand depuis qu'il ou même ou entrer vraiment dans type de travail ça yo et dans qui zone que vous évoluez dans pays. En fait, moi travaille dans l'Ouest, c'est toujours été dans l'Ouest. Mais toutefois, moi, souvent fait des déplacements vers les provinces avec Fondation Cérovi. Et censé nous faire l'Artibonite, nous faire Nord, Nord-Est, et nous faire Sud, nous faire Grand-Anse. Et côté d'aller dans le cadre des sensibilisations et questions de VIH-SIDA, plus particulièrement avec ce groupe que je viens de citer. Donc, c'est souvent des travaux de prévention, distribution de préservatifs, identifier les gens qui vivent dans la communauté, qui vivent avec les PVVIH, mais là, c'est surtout à travers les pères éducateurs. Donc, quand on parle de pères éducateurs, c'est surtout des gens qui font même partie de la population, ça, qui, non seulement on travaille au niveau communautaire qui fait, qui peut faire des références vers site. Donc, c'est au vide un site dans plusieurs départements. Donc, une fois que le travail communautaire est fait à travers les pères éducateurs qui sensibilisent les gens, parlent sur les questions de l'université, et surtout avec les populations, par exemple, nous joignons les lesbiennes, les gays, les bisexuels, donc qui sont même sous qui dans la communauté. Qui gagne comme mission faire sensibilisation et référer Mounsayo, soit des gens qui sont victimes de violence, soit et sensibilisation et sur le VIH, et référer dans une clinique pour un test de dépistage. Maintenant, si Mounsayo, Mounsa qui vient de dépister, au début, il recevait ça en question de prévention, surveillance, conseil sur la prévention, évaluation de risque, etc. Donc, Mounsa qui arrivait infecté, donc nous avons des prises en charge qui font pour lui, des prises en charge psychosociales. Mais c'est au vie pas été seulement dans question santé, li travaille tout et dans question hébergement, dans question droit monde. Et parce que c'est vrai que nous mettons plus d'accent sur la santé puisque nous mettons en face sur la population, ça, sur les ANSA. Donc, le nom dit ANSA, qui c'est homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et puisque c'est la caillou, prévalence VIH-SIDA, licence est plus élevée. Donc, c'est au vie, surtout mettez en face sous catégorie. Le monde s'arrête dans la question du VIH. Voilà. Il y a après les ANSA, il y a aussi les professionnels du sexe, c'est le deuxième groupe de la population clé qui a une prévalence élevée tout sur la question du VIH. Voilà. Eh bien,
chiffre ça yo et chiffre que wap bay ou bien a prévalence que wap di ki élevé yo et très souvent c'est yo même que peut-être grand public la pas comprendre qui fait que très souvent yo créer discrimination. Moi j'ai très bien depuis même le que SIDA déclaré dans mode là en pile monde est associé à homosexualité. Dans sens comme si c'est peut-être son bagage que seulement est homosexuel gagné ou du moins sous gagné ou définitivement est homosexuel etc. Comment monde que ou même au travail avec you vivre ça bon la caille pa yo parce que non seulement et yo peut-être pas ka afficher homosexualité yo enfin afficher peut-être pas moi mais yo peut-être pas capable et librement vivre sexualité yo en général vin konnya li vin gen yon maladie la dan certain que gen la yo qui peut-être et caché pour rentrer dans institution là ou du moins cherche un gens pour yo caché un petit crasse statut séropositif yo mais tout orientation sexuelle yo tout ça par rapport à jugement stigmatisation et discrimination qui gagne dans société comment moun ko travaille avec yo rivé et vivre ça pour qui ça parce que m'a essayer comprendre nous connaît que stigmatisation là li évident mais je comprendre comment des moun fait face à li et tous les jours puisque nous poko capable vraiment gagne moyen pour nous éradiquer et stigmatisation, ça va avec discrimination. Et je dirais que c'est un combat quotidien que nous allons mener. Mm-hmm. Parce que déjà, c'est la population que nous avons avec nous, c'est surtout des gens qui sont doublement stigmatisés. Mm-hmm. Donc, déjà, imaginez que un jeune qui déjà a des problèmes dans la famille pour le fait que c'est homosexuel. Donc, souvent, on joint que on met des jeunes à dehors. Donc, il gagne pour faire vivre contre lui, avec des amis, etc. Donc, et finalement, ça encore fini par infecté au VIH, donc il vient pour la vivre une stigmatisation chaque jour. Et nous voulons dire la question stigmatisation tout. Stigmatisation, parfois, il est inconscient, il est capable de conscience. Parce que des fois, on a dit un bagage et puis ils sont inconsciemment ou stigmatisés dans l'autre monde. Donc, mais c'est li visible souvent, ou bien le monde qui vit, il ressent souvent à partir de un regard même. OK? Mm-hmm. Donc qui pas toujours facile par exemple la question de dévoilement à parents comme ça, à un partenaire sexuel et là encore stigmatisation tellement fort et ou quand jeune que mon là parler de mettre partenaire au courant, ni tout que non parce que le fait que l'est infecté peur lui c'est à ce que partenaire sexuel, ça lui-même, lui revient au courant de le statut sérologique, lui, qui non seulement a abandonné, si mon salle est timon, etc. Donc, il va vivre pour contre lui. Donc, c'est j'aime dire, c'est un combat quotidien. Tout à fait. Michel, semblez au bon, oui, là. Qu'on y a un battant de vous. C'est autant de nous, mais un battant de vous. Oh non. Allô, parfait. Là, Kembe là. Ou en forme? Oui, pour moi ça va. Tu m'entends ça va. Eh bien voilà. Et même t'es de plonger dans la conversation avec Darlene là sous cause de ça. Eh bien, quand on a un petit temps qu'on y a pour nous parler avec vous. Puisque on fait venir certainement des gens qui font brancher, mais même que ou réintroduire tout, parler en petit cas de fondation et quel type de travail qu'on fait. C'est Michel Lignier, je suis médecin de profession, je travaille comme chef de programme de l'Institut de coopération et de service de l'État, qui sont une organisation qui m'a même étudié, qui est basée dans l'antibiotique de mode précisément. Côté que nous aussi, des instances psychosociales, des instances médicales, des instances sociales, avec toutes
ça qui t'a mis au coup de pied, mais c'est mon conseil de l'idée à ce que tu as dit, que tu connais que tu n'as pas seulement pas de médicaments, mais que tu connais que tu n'as pas de médicaments. Donc c'est ça, et c'est donc tout ce qui m'a mis au coup de pied. Tout à fait. Avec notre conversation que nous avons eu tout à l'heure avec Darlene, nous avons eu et comment les gens que vous travaillez avec vivent stigmatisation et discrimination chaque jour. Qui sont capables de dire nous et sous ça? Bah, pour moi, puisque j'aime d'Abdoula ou même moi, c'est spécial puisque vous grandissez ou est maman qui a boumé contre toute bagarre ça. Yo. Et quand vous venez travailler avec des gens, parlez-nous en tout cas de l'expérience. Ça. Donc, moi, je suis cause moi-même, c'est mon jeune âge, mais c'est important. Donc, moi, commencé à faire le libre à faire sensibilisation dans des zones, sensibilisation dans des prisons, sensibilisation dans des écoles. Il était toujours à faire m'accompagner. En fait, c'était support, moi, parce que non, moi, j'ai une force pour affronter tout ça que nous connaissons, que stigma, pourquoi stigma et discrimination à cette époque en Haïti, parce qu'il y a des arrivés. Donc, pas toujours facile pour lui, parce que moi, j'ai très bien grand côté l'Italie, nos centres, côté que vous prenez les prisons, vous pouvez être à la fête postre, parce que c'est l'époque avec Dr. Moïse, côté que vous voyez le Nerex, vous faites propre, vous battez, vous crachez sous lui. Ça, au moins, vivio, côté que le moins, pour moi, à cette époque, il n'est pas facile. Et même si il était ferme, il était avancé parce qu'il était dit que n'y a pas de petit embarras négatif dans le VIH. Il voulait un travail sur lui pour lui faire un bagage positif et c'est comme ça les fondations. Et nous, en fait, dans le cadre de la stigmatisation, je me dis, bon, le patron de moi, c'était surtout pour moi qui est jeune. Le moment où on dit, dans la vingtaine qui vient de diagnostiquer VIH positif, il y a pour faire un counseling, les pré-tests, les post-tests pour lui, c'est toujours un bagage qui, pour moi, est pénible. Que jeune, il faut aller désolé, il peut. Sa communauté pour dire ça et famille qui j'ai promis pour accepter ça porteur de reconnaître les parents qui a soutenu qui a vécu à l'étranger comment mon n'a pas le fait qu'il y avait il y a aussi dans nos centres qu'il y a choisi donc il passe souvent facile et Oh là là, n'a perdu encore Michel. Wow, c'est vraiment dommage, hein. Et n'a perdu Michel. Dali nous l'a toujours pas vu avec moi. Voilà. Eh bien, puis tu mettais tout le monde là, Karoua et Darlene, parce que tout le monde a bien passé avec vous, mais nous perdu Michel encore et c'est grave. Mais pendant la parler de ça, tout, dans l'introduction de Mme Abdoulang, pile stigmatisation qui vient dans la société, hein, nous attribuons à des bagailles culturelles. Et puis, il vient tourner d'un coup son homme. Ça veut dire li normal pour nous traiter un monde qui peut-être bon l'autre orientation sexuelle différente de nous-mêmes très mal. Li vinn tourner jouement pour lui, nous pas veut et prend pas avec lui. Et puis qu'on y a monde qui a maladie tout. Et même l'autre jour avec dernier maladie que n'a vivre dans monde là qu'on y a qui c'est Covid, ou tu réaliser que pile monde qui fait Covid que autant vie stigmatisé, il y a monde qui dit ne pas venir bâtir et santé bon la caillou pour recevoir monde qui fait Covid. Ou bien toute qualité genre de bagage ça vient fait que n'a vivre dans société qui ont manque de formation et de formation et qui pour moi-même by libre champ à discrimination et stigmatisation ça yo. Est-ce qu'on senti ces mêmes bagages là et puisque on travaille avec des mondes qui certainement sont dans des situations précaires et qui pas gain trop accès à
bon information que peut-être nous t'as souhaité que vous gagnez. En fait, moi-même, comment c'est pour me dire que stigmatisation, c'est pas un bagage qui l'a ailleurs. Mm-hmm. Donc, stigmatisation, elle est toujours existé dans la société. Là. Et si vous me prenez des exemples que souvent, moi-même, par exemple, moi-même, prenez des exemples avec la question de l'albinisme. Par exemple, je me rappelle, par contre, ici, ça a toujours fait non. Mais je me rappelle longtemps, et l'homme monde souffre d'albinisme. Il y a chanté par exemple des salines pavées ou blanc en un, et il y a traité mon ça de différentes noms et par rapport à odeur corporelle, etc. Donc et l'autre vie information que vous avez ici que vous passez et que depuis soleil chaud mon ça senti avec tout le monde is crazy. Donc mais nous dit que stigmatisation tout les vient renforcer bon année 40 1940 avec question tuberculose les années 80 avec question VIH sida. Et là encore, il y a une question de xénophobie hein, avec question de l'homophobie, puisque avec l'apparition du VIH-Sida, c'était haïtien pour les 4H et en fait les personnes homosexuelles. Donc, c'était là toujours des stigmatisations qu'on était capable de dire par rapport aux étrangers, etc. Mais dans la question de stigmatisation pour nous, disons, qui vraiment. Et par rapport à l'orientation sexuelle. Yo. Là encore, ce débat, par exemple, même monde parfois qui a vécu peut parler de lui. Mm-hmm. Et il ne faut pas oublier tout, question sexualité en Haïti, ça a toujours été quelque chose de tabou. Et c'est une raison tout qui fait une stigmatisation concernant les affaires VIH-Sida. Puisque l'on parle de VIH, automatiquement, les gens ouais, qui, par exemple, ils connaissent même ça, c'est des termes typiquement créoles qui, parce que les gens ont un chat, ils ont envie de débauche. Voilà. Alors, est-ce que dans la première relation, elle capte, elle capte bien. Lorsque dans la première relation, on ça, elle est capable d'infecter à VIH. Mm-hmm. Et donc, une fois suffit pour monde infecté à VIH. Mm-hmm. Donc là, pour être comme si carence qui gagne dans la question information et de surtout des sujets ou bien des bagages qui souvent fait qui lié avec question stigmatisation. Mm-hmm. Okay. Donc là, pour nous entrer dans la question de sexualité vraiment, et par rapport à mon, par exemple, qui ont une orientation différente par rapport à sa société, à une norme qui est l'hétérosexuel. Donc là encore, c'est des bagages que nous sommes capables de lier à la question de religion, question de foi, etc. Puisque la question de sexualité, avec les normes religieuses, c'est des bagailles qui disons que y a surtout ouais procréation là-dedans. Donc il y a pas la question du désir sexuel, du plaisir sexuel. Donc du coup, c'est toujours y a pas comprendre pour qui on garçon qui a gagné des sentiments pour un autre garçon, une fille capable de gagner des sentiments pour une autre fille, parce que pas oublier que en fait nous, en fait, religion d'un pile, d'un pile, d'un pile, importance dans la vie haïtienne et chaque jour. Donc, disons que en gros, c'est ça. Oui, tout à fait. Je suis bien content qu'on soit pour un exemple et tout à l'heure sous ce type de stigmatisation, ça que j'ai dit, sous, par exemple, monde pour couleur peau. Et même là encore, les rentrer dans un cadre beaucoup plus global que dans la société à tous les jours. Causer mon en haut, causer mon en bas, ou du moins, sur jeune monde qui peut dire dans quelle zone les habiter. Parce que moun nan tèt an pil moun yo stigmatize zon sa. Tant que moun ki nan zon sa, c'est vie moun que yo ye, pas ganyen ki bon nan moun sa, ou bien ganyen tout l'autre stigmatisation par rapport à coupe de cheveux moun nan et choisi fait. Un moun ki décide dread ou bien on fi ki rase cheveux etc. Ou jwenn tout type de bagay sa ou nan société a, c'est pour moun k'ap gade la ou capable comprendre comment nous-mêmes chaque jour nous vivons stigmatisation. Et très souvent nous-mêmes tout, nous
stigmatiser des mondes ou bien nous discriminer des mondes, ça nous pas même rendre nous compte parce que nous croyons toute vieille parole qui a sorti, qui a dit, toute l'autre parole qui vient jeune. Nous, ça que nous-mêmes, nous pas font réflexion intelligente sur genre de discrimination. Ça. Michel, ma pour à compte goutte. Donc, et oula? Ça me manque, ma oui, c'est ça. C'est bien dommage. J'espère peut-être reprendre conversation ça et dans de meilleures conditions techniques, si je suis capable de dire, si je suis capable de dire ça. Justement. Eh bien, parole que nous avons parlé là rapidement et ou t'as parlé tout à l'heure de comment ou même ou entrer dans goumen ça. Mais qui sont pensés qui fait que nous stigmatiser moun qui PVVIH en Haïti? Par exemple, on dit que un moun qui décide faut que bat maman ou bien faut que vous pipi sous lit etc. Alors que yo pas contre maman, yo juste tendez que et li gon virus qui dans sale, que un virus mondial, c'est pas lui même qui inventé et virus là, li pas by personne notre moun ni parce que le gardé ou bien touché etc. Et on senti que discrimination, sa stigmatisation, ça vient mener à un bagage qui t'a capable de créer mort d'homme, mort de personne et criminalité même en général. C'est son gros dossier que bagage ça y est. Très souvent, il nous pas assez parlé de lui. Je suis content que nous capable de faire conversation ça là qu'on y a. Qui sont pensés qui poussent ça et comment parler avec des mouns qui peut être stigmatisés ou des mouns qui peut-être ou vivent des mouns qui en vie frapper ou bien faire mal à un autre monde à partir d'une discrimination ou bien une stigmatisation que le gain de monde. Oui, honnêtement, Karel, au début, pas vraiment gain toute quantité d'informations ça qui vient de pays. Pas qu'on ait autant de problèmes qui dépendent de la personne maladie si dans le pays. Au début, on dit nous ne pas connaît, nous ne pas comprendre. Dans un premier temps, on va dire honnêtement, c'était manque d'information, manque d'éducation. Mais pour nous, nous avons des programmes dans le pays d'Haïti et des organisations, tant que COVID, tant que FOSTREF, tant que FEBS, tant que ASSON, tant que AFP, tant que un pilote qui a mis la santé, un pilote GESCIO qui l'a, qui vous bail information à Mounsao pour connaître que non seulement il y a un traitement qui est disponible et Mounsao continue à vivre normalement pour tout le monde. Donc, programme, non seulement il y a des médicaments, mais assurer que l'éducation continue qui fait pour la population, pour la famille, ça va être affecté. Infecté, qui est dans le programme, qui est enroulé aux bénéficiaires, et affecté, tout qui est famille, amis, communauté. Donc, mounyo, des fois, un pile fois, il n'y a pas connu. Il y a deux communautés, jusqu'à présent, on va parler de VIH. Quand même, il n'y a pas connu cette maladie. Wow. Et un pile là-dedans, il y a une fête. On dit un dépistage, ou vient faire un pile, là on fait séance d'éducation à la santé yo, ou parler de tout programme ça, de toute maladie ça, que programme ça prend en charge, planification familiale, VIH, ou prend avec LGBT, PS, les enfants orphelins vulnérables, ou assurer que allaitement maternel, ou assurer qu'on offre par care, pour qu'on connaît et puis qu'on y a là le monde intéressé, il venir sans crainte venir prendre service là non même. Donc m'a dit que c'est un problème ça nous taille mais c'est surtout éduquer de façon continue parce que c'est manque d'information qui fait dans un premier temps que mal réagit que violent que des fois nous sais très bien que maman font émission avec Regina Lubin en vision 2000 dans la santé pour la vie et puis bon pasteur qui relé pasteur a dit pour qui ça pour pas tamper comment pas demander pour wow mais c'est ça qui est important eh bien, quittez-moi d'où, oui, ou est-ce ça, c'est exact, et c'est dommage. Parce qu'en fait, stigmatisation, c'est à peu près comme ça que lié. Dans le sens que, Guénéba est visible, n'a pas l'état de couleur pour moun, ou bien des moun qui peut dire dans qui zone que vous sautez, ou bien coupe de cheveux, ou bien forme que vous gagnez tout. Et il y a des moun qui gagnent soit en déformation physique, ou du moins ce qui en bonne santé, mais qui gagne on dit, on oreille qui peut-être plus gros passe l'autre, ou bien on yeux pas qu'à fermer, ou bien ouais, n'importe qui ça coule la gaïa. Et puis, on senti que moun sa marche avec top ça, que pasteur a te vle mette sous maman là. Alors que c'est dans tête nous lien tempé moun sa yo. Yep. Nous mette ou à pas, nous pas considérer ou moun, et ça vient faire que les services sont disponibles tout, Karel. Un pile financement disponible. Nan ba information hein? Nan ofri pa servi nan ou konnen wè ke moun yo jusqu'à présent yo pa santi yo vin pran vin depi vin pran traitement
exactement pour problème ça. Tu as dit qui j'en prend la c'est ça. Qui j'en qui possibilité qui gagne pour moi. C'est ça et n'a vivre dans environnement justement côté que majorité moun sa va vivre dans des situations précaires, j'ont t'a dit hein, parce que yo gen manque d'information hein, et yo pas gen accès à même moyen pour peut-être que t'a ka chita tande parole que n'a parlé là yo, pour t'a ka réfléchir sur yo, pour t'a faire propre recherche pas yo, pour yo voir vérité à yo même, ça c'est pas peut-être un moun qui vient dire yo, et ça c'est un pile travail qui pour faire dans ça tout ouais ça tout avec et Darlene. Nous besoin bail plus d'informations si nous vraiment voulons et combattre et stigmatisation. Mais est-ce qu'on arrive tout dans le niveau où on refuse d'apprendre ou bien de s'informer? Est-ce qu'on sentit que, parce que ça, ça m'a parlé de l'aspect culturel dans le bagage, on parlait d'un pasteur tout à l'heure. Très souvent, moun yo vini et puis on joue religion. Hein? Et pour dire par exemple, si on a un sida, c'est parce qu'on a envie de débauche. Stigmatisation. Parce que premier relation là, ou kapral. Ou du moins, si on maman enceinte, ni pas qu'on elle pas, ni pas suivre médecin particulier, li kabay petit, avec un petit bébé, ka fait avec lui. Donc, le fait que pas d'information ça yo, et moun yo kwe dans des bagay que vous tendez seulement, rend travail la plus difficile. Ça, ça me donne envie, ouais, l'em fait approche ça, c'est comment nous-mêmes, nous, porter information pour des monde qui refusent de prendre ou bien qui pas quel ou bien qui agit contre lui-même à cause de religion yo côté au sorti pour dire ah bah c'est pas comme ça vous faites bon ici ah c'est pas comme ça nous même nous etc. C'est un comme sous son extraterrestre qui vient dire moun yo que la terre est ronde par exemple. Ben du Michel. Darlene nous là? Oui. Oui, justement. Et c'est ça que je veux dire. Comment nous baillons? Est-ce que nous vivons des côtés côté que nous jouons un gros barrière? Je veux dire, mon nom dit, ah, je vais dire là, pas moi, et marron, je vais dire là, madame, et moi, mais c'est ça que je veux. Comment nous vivons convaincre, mon frère? En fait, moi, je m'a dit que il est surtout difficile avec les jeunes. Pour qui ça? Parce que, en fait, un jeune qui entre 20 ans, 25 ans, ou jusqu'à 30 ans même, par trois, gain information sur la question de VIH. Pour qui ça? Parce que, comparativement à des gens qui sont plus âgés, qui années 90, qui ont constaté que les gens qui sont infectés à VIH, qui ont remarqué des dégâts qu'ils ont fait, c'est différent pour les jeunes alors. Ok? Donc, du coup, en fait, le fait que mon jeune tout, lui toujours pensait que lui immortel, comme si on n'y est pas atteint. Donc, ça vient faire problème en termes d'informations que mon a non seulement pas jeune par rapport à, par exemple, des informations de masse. C'est vrai qu'il y a des musiques qui font sous question, mais pas gagner une sensibilisation de masse continue sous question, et par exemple, à travers des émissions tout. Et sensibilisation à travers des émissions qui ont pile et coûte sur la question VIH. Donc, réticence-là vient pas non seulement le manque d'informations, j'en ai pas dit, mais en même temps, moi-même, et phrase, je dis une image vaut mille mots. Donc, pas gagner des débats qui peuvent le faire vraiment le conscient. À travers des images, on ne parle pas de étrangers qui, ou par exemple, pour aller sur des sites internet, ou capable de donner des témoignages sur le VIH, mais qui n'ont langue que vous ne connaissez pas. Donc, si, par exemple, des gens qui vivent, qui victimes vraiment, qui vivent avec le VIH, qui, par exemple, sont arrivés dans des stades, si même, donc, il y a vraiment des témoignages, des vidéos côté à parler de ça. C'est vrai, souvent on joint des gens qui font à travers des groupes de soutien, mais il n'est pas trop facile tout, pour joindre des gens affectés, pas infectés, mais affectés du VIH participer. Pour qui ça? C'est peut-être c'est pas parce que les gens ne pas appelé, affecté à pas appelé participer. Bon, là, c'est affecté sur le fini. Mais le problème, c'est que et moun ki infecté, est-ce que li vraiment gen courage pour mettre moun la kali informé? On proche li pour l'informer et de questions.
Donc, c'est souvent, j'aime dire, une réticence par rapport à des bagages que vous vraiment pas vivre, même si vous entendez, mais vous êtes juste en d'elle, mais vous parlez des gens vraiment qui vivent avec les VIH. Donc, vous ne connaissez pas les conséquences. Tout à fait. Lors par information, vous faites de mauvais choix. Michel Oula. Michel, allez encore. Oh, wow, c'est allez vini. Oh là là. T'as qu'à faire un Jean, mais non, mais les papes bon. C'est parce que le signal là, Kylie, j'ai l'impression, a monté des sons qui fait que il est passé comme ça. Il est vraiment passé un bon 46 minutes depuis que nous live là et il a fini dans pratiquement 15 minutes. Et malheureusement, il n'a pas rejoindre nous. Et Michel a gagné difficulté. Peut-être, j'aime d'abord dire pour son conversation. Pour nous avoir fait dans de meilleures conditions techniques. Pour avancer, il y a un petit cas sous causer stigmatisation avec discrimination dans la santé sexuelle. Là. Est-ce que, vous avez parlé de jeunes d'ailleurs, est-ce que vous avez un groupe d'âge en particulier que c'est beaucoup plus facile pour vous comprendre ou bien qui peut-être gagne plus force contre stigmatisation ou qui pas baille moun qui cap stigmatiser le règlement pour yo ou du moins c'est tout un groupe. Est-ce que il y a des différences qu'on capable faire dans des groupes d'âge par exemple dans façon que moun yo vive sexualité yo ou bien vive statut et séropositif? OK, en fait nous t'as parlé de d'âge, c'est par rapport à avec force que mon gain, par exemple, surtout les jeunes, et très souvent, vous pensez qu'on n'est pas atteint. C'est vrai, autant de parler de VIH-SIDA, la vache que ça fait, mais vous avez l'impression que, vous même parfois, vous tout ça va concerner, puisque pour façon que vous vivez, généralement, vous va protéger, vous font des tests CO négatif. Donc, ça, ce n'est pas un bagage qui concerne. Donc, dépend tout de l'éducation qu'on a recevoir. OK? Par exemple, disons, plus on a gagné des niveaux et, d'éducation qui est en fait élevé, donc c'est plus on a plus près à sensibiliser tout par rapport à la question de l'IH. Il connaît que les concerné. Et concerné non seulement que si lui-même est au négatif, il connaît que par rapport à comportement sexuel, il est capable infecté. Mais si toutefois lui-même est infecté, il connaît que l'idée au travail tout pour lui faire, pour lui protéger et que lui a bien rapport sexuel. Tout à fait. Michel Oula. Allô, Michel. Ok, eh bien parfait, voilà, oui. Eh bien, rapidement, dernière question que je me pose là, tout à très bien, très bien. C'est comment que nous fait face à des gens qui refusent et prennent information yo, et qui obstacle que nous joignent dans la sensibilisation que nous-mêmes avons fait. Que des gens, que groupe de gens que nous travaillons avec eux, ou du moins des groupes de gens qui sont dans l'environnement que nous travaillons avec eux. Difficulté en défi de communauté. Communauté pour aller, type communauté pour aller qui est vraiment hostile. Jean et Dani se disent, en plus, il manque de formation, que nous n'avons pas au moins un mot défoncé en sensibilisation dans ce problème-là. Donc, nous sentons ciblés, pas sentir concernés, lorsque nous parlons de ça, il pas intéressé, même chita ou pas chita. Mais il y a un peu, quoi ce que nous utilisons, notre travail par nous, et l'autre que nous travaillons, qui est physique et d'avantage pour nous, nous essayons de faire approche communautaire pour ne pas vivre comme nous, qui bien c'est les problèmes dans la vie. Nous ciblons les gens dans cette zone. Nous ciblons les gens dans cette zone qui sont des gens qui sont. Nous ciblons tout ce qui permet de faire un propice et puis qu'on y a avec leader ça, nous passons information dans la zone ça, nous faisons des séances de dépistage et puis référence à son partenaire qui est plus près que
moun nan chale fè test de confirmation et enrôlé nan programme qui est disponible. OK. Ou même qui ou dit tout à l'heure que ou trouvez que bagay ou évolué puisque ou t'es vraiment nan fin année 90 et tout début année 2000 yo et qui t'a fait face à toute discrimination ça est-ce que vous pensez que qu'on y a les nous fait progrès et dans quel niveau qu'on pense progrès à Michel honnêtement il y a un grand pas qui fait non essayer c'est un problème non et venir avec solution ou bien stratégie qui a des quoi parce que là qu'on y a on parle de H moun yo konnen moun yo ne doit pas parler pour elle fait test là mais yo konnen lò fin fait intervention yo lò pas prendre madame dit tel bagay que me senti mais tel te prend qui côté me parle mais tout stigmatise pas pareil parce que moi konn gede que moi aller Ouais, ça veut dire mon préféré qu'un bon sorte de anonymat OK. Tout à fait. Me font tu perdu là et pendant ce temps, Darlene, d'accord peut-être poser une question puis tu as évolué en bon petit temps dans le domaine, est-ce que vous trouvez que gagner des changements ou bien n'a pas allé vers la progression ou bien bataille là est tough toujours et n'a pas marqué partout là et à moi je trouve que un peu de progrès qui fait et mais le cas faire plus toujours et j'aime te dire déjà faire plus sensibilisation de masse et mais côté progrès au venir c'est surtout et professionnels de santé qui surtout capables conseil dans la question du VIH et qui prend responsabilité fait un travail vraiment de sensibilisation et parler vraiment de VIH mais là ce qu'il y a c'est que travail ça va arrêter dans le niveau ça seulement donc si nous fait des sensibilisations de masse et à travers par exemple j'aime te dire émission télévisée des grandes émissions qui ont des écoutes ou question VIH là nous capables disons aller plus loin mais ce qu'il y a encore c'est que kounya nous avons commencé à faire tout différence entre VIH et SIDA ça veut dire nous on connaît que l'organe infecté par le VIH est capable de vivre avec comme il est capable de vivre avec en tension par exemple pour qui est hypertendu qui est diabétique donc là les guéris pour vivre avec virus là et ça pas déranger en rien dans les ça pas qu'à faire pas là il pas aller l'école ça pas qu'à faire il pas travailler etc donc déjà information ça c'est des informations qui clés pour nous qui censé aller vers une progression donc mon connaît oui mon infecté par le VIH moi son mon cap vivre avec le virus là mais pas malade pas rien et voilà et m'pas pas mourir demain matin non plus demain pas mourir demain matin de ça donc responsabilité donc c'est qui ça lié moi juste que pour prendre responsabilité n'a prendre médicament à l'heure au moment qu'il faut OK et là encore dans même question VIH ça nous parler de progrès parce que dans même question prévention par exemple regarder PrEP qui vient progrès scientifique et progrès qui fait et on tout connait qui comportement à lui connaît que partenaire infecté avec VIH il pas gain pour peur
Et moun sa tout kap vive avec et li pa gen pou peur parce que li konnen gen prep une fois que la prend prep et li assure le tout partenaire li font charge virale partenaire la font charge virale qui indétectable donc qui vle di intransmissible donc li pa ka transmettre oui ça et li même pour prendre précaution pour peut-être li parce que là c'est question infection c'est le soir c'est la personne responsabilité personnelle donc li même li capable choisir prendre donc ça fait que ça va retirer rien dans vie mon ou capable vivre foyo réaliser la vie normalement tout à fait Michel ou Jean-Louis là ou là toujours et définitivement Michel essaie de connecter son ordinateur de préférence peut-être wifi attaque plus intéressant que Maronet et data qui la caillou I don't know just essayer mais puisque nous pratiquement était 4 minutes pour nous finir là on t'a vraiment souhaité et joindre un dernier mot mais bon bah écoute là qui est extrêmement intéressant et Darlene par rapport à ça longtemps mon était web VIH sida tant qu'on fatalité et même au-delà de stigmatisation publique là vinn gon sorte de auto-stigmatisation tout parce que moun nan et tout stigmatiser tête li ferme tête li et li peut-être presque écrit testament pour dire m'pral mourir etc. li pas envie vivre la ville Jean ta doué et vivre la ville là et moi que progrès la science avec toute information qui est disponible qu'on y a si ou j'en dis maintenant que jeune yo plus ou moins connaît ou bien moun yo population plus ou moins connaît information ça yo c'est déjà un bon bagage parce que trop souvent aussi c'est nous connaît discrimination existait nous connaît stigmatisation existait mais nous avons peur de nous affirmer ou du moins de d'assumer ça que nous y est ou bien ça que nous gagnons et moi-même on toujours dit même si m'ta gon maladie mortelle m'ta très content vivre chaque grain minute et chaque grain seconde dans la vie avec maladie ça et surtout avec moun que m'aimais et si gon moun qui dans la vie qui connaît que moi pral mourir et puis qui pas essayer faire que moi content dans chaque seconde dans la vie moi pas besoin dans la vie donc de non sens pour me dire que entourage immédiat tout moun yo doit tourner support système que yo besoin pour yo faire face non seulement à ça que yo gagnent comme et virus qui dans sang yo mais tout faire face à toute l'autre discrimination que n'est capable gagner et m'bien content que Michel là et dans film et que yo te fait sous maman là nous avons une équipe qui est toujours important c'est support familial que Esther aussi côté gagné qui permet que le continuer parce que sinon il était qu'à soit gagner des idées suicidaires ou bien plonger dans dépression et total capital ou là Michel mes amis Michel paraît il frise il parle de Michel ou là je suis là. Oui, oui, justement. Ah, par contre, on va ajouter ton bagage. Non, ça que nous n'avons pas l'air. Oula, mon Dieu, au Seigneur, oui. Oui. Par contre, combien de internet là? Oui. Wow. Mais
Et bon, même bah à la rue là, on fait du Michel encore. Ouais, vraiment, j'aime t'ab dire la prochaine fois, si n'abgé pour faire le concert d'Arline et n'a faut accompagner Michel. Ok, et bien nous pratiquement arrivé dans l'heure pour nous finir. Malheureusement, ça n'a pas passé, genre que nous te prévois là. Nous pas gagné Ewol Josué qui rejoint nous. Malheureusement, peut-être problème technique tout. Et deuxièmement, et nous pas vraiment fait un bon et 30 secondes à parler avec et Michel, puisque lui-même tout. Et ça qui est intéressant, non. Dans panel ça c'est parce que nous gagne différents profils qui travaillent avec différents monde même si qu'on est et d'aller obligé englober tout ça que nous même parler ou même penser que conversation était extrêmement intéressant pour nous finir on dit peut-être premier petit parti ça dans forum non même si peut-être tout à cas retourner sur sujet en l'autre avec meilleure disposition technique j'aime que tu dis d'aller me ko dit Darlene qui conseil ou t'as même by deux catégories moun en particulier des moun qui stigmatise moun pour orientation sexuelle yo pour psatu et séropositif yo et des moun tout qui peut-être homosexuel ou bien des moun qui PVVIH ou bien qui mais qui peut justement peut-être aller joindre Michel dans fondation Esther Boussicoa ou bien venir joindre ou même avec toute équipe Cerovia qui conseil ou ta capable bailler de catégorie de monde ça pour nous finir. Okay. Et déjà parce que premier bail là tout le monde en général est très important pour un statut sérologique. Donc pour ça fait et ou pas qu'à juste rester par exemple ou parler de VIH etc parce que déjà on est capable de vivre avec lui ou qu'à faire même plusieurs années à vivre avec lui le star et puis ou pas connaître son infecté donc du coup pendant par exemple on stigmatiser un monde qui est infecté du VIH et possiblement qu'on gagne ok donc là encore pour qu'on gagne c'est pas juste garder maintenant ou bien peut-être janvier parce qu'il y a des taches sur le col, il y a des temps pour dire que on a les infectés ou stigmatisés. Donc, c'est surtout aller faire test. Gagner des périodes côté que nous faisons test pour nous connaître statut sérologique, non? Pour nous connaître ce qui infection que nous gagnons, si nous avons avec le VIH et autres. Mais là encore, si pour nous être dans par exemple, les personnes homosexuelles, je voulais dire que c'est moi-même, c'est des gens qui m'attendent tous les jours. Mais on connaît ça qui est grave, c'est surtout nous attendons des jeunes qui ont expliqué ça ils vivent et dans parents, surtout avec les trans, et qui vivent la carrière dans la famille. Parce que depuis que j'ai 7-8 ans, j'ai commencé à prendre tape des têtes dans mes papas pour que j'aille marcher. Okay. Donc là, je pensais que j'ai gagné plus de tolérance. Parce que tout ça, c'est des bagues qui contribuent dans la réalisation du monde. Et comme ça, toutes les actions, ils contribuent tout dans l'échec de la vie au monde. Donc, nous jouons un pile de monde dans la communauté ça qui est victime de stigmatisation, surtout la caillou, même dans le cadre pour les PVV. Donc, parce que lorsqu'on est au cas qu'un soutien formel, c'est ça qui est important. Et que nous jouons que le monde, ça, par exemple, il décide de tout pour le fait que l'icône est infecté avec l'IACIDA, et les bordées, les ustensiles à part, les gobelets, etc. Ou bien les bon paquet de comportements que l'on a, car elle va coucher sur le même bras, sur le même cabane avec ou de peur qu'elle l'infectait. Donc, c'est ça que fait, nous avons parlé de questions plus sensibilisation depuis le début, sur question sexualité, sur question et stigmatisation, pour nous avoir des connaissances sur la question de ça et connaître tout qui ça est capable de produire dans la société et qui conséquences stigmatisation et
discrimination qu'il y a dans la société. Parfait. Voilà, et ben parce que nous te font une petite conversation et Darlene, heureusement et ou pas de problème technique parce que ça va la tape gratté net. Non mais moi remercier toute équipe bravo qui permettent que activité ça lui même les fait a gain l'autre conversation qui a fait tout santé sexuelle sur l'autre sujet et espérer capable porter pour vous sur page Chocarella, page Ticket Magazine, page Karel Ped et pour nous capable vraiment continuer conversation ça. J'aime te dire moi vraiment espérer refaire conversation ça dans des conditions et des techniques et puis intéressant mais ça l'a certainement beaucoup plus animé a gain plus information qu'a bail et permettre que plus monde capable yo même participer. Moi pas gain temps pour question même si moi t'ai ouais gain deux trois monde tout qui pose des questions et m'te vle justement peut-être ta prendre question le plus monde est capable là moi question ça oui certain que si n'a pour faire conversation m'a capable poser question par exemple moi il y a monde qui a parlé dans sens que est-ce que li pas 11 affaire et moi n'a parlé de racisme dans sens puisque et la parlé de racisme discrimination etc. et puis il y a parlé de est-ce que Jean de Baye ça au cap répéter ça c'est des bagages que nous plus souhaitons dans des pays pauvres etc. encore une fois discrimination dans discrimination etc. il me certain que et avec un pile large panel nous capable débattre ça la prochaine fois. Donc merci beaucoup et bon travail avec toute équipe Cerovia. Merci pour disponibilité et Darlene et merci à Iwal Josué qui était mettait le disponible tout même s'il va arriver participer avec Michel Podiab qui essayait connecter des milliers de fois qui pas arrivé passer. Merci à tout le monde qui t'a suivi et qui était et jusqu'à présent à suivre avec nous. C'est ton plaisir. À la prochaine, Darlene. Merci, à la prochaine. Merci. D'accord. Voilà. Et monsieur, dame, merci parce que nous avons suivi ti parole ça et espérer pour te plus conversation pour vous comme ça et très bientôt. Et espérer tout que et n'a gain plus bon moyen technique avec invitez-nous. Nous même dans le studio, nous pas de gain. Trop problème, nous sommes bien, nous look good. Darlene, justement, tu as une bonne connexion Internet pour te participer avec nous. Mais pour Michel, il était extrêmement difficile et pour Ewol, c'était la même chose. Donc, merci encore une fois et continue à faire conversation sans la caille. Et est-ce que vous-même, vous êtes un monde qui stigmatise des mondes pour orientation sexuelle ou bien pour statut sérologique? Est-ce que vous-même, ou pas changer comportement ou soit apprendre que collègue de travail ou à l'IPVVIH ou bien lycée homosexuel. Et faut qu'on commence à questionner tête nous, comment nous-mêmes nous peut-être prédisposer à propager stigmatisation et propager et renforcer discrimination dans la société que nous vivons là. Faut que nous posions tête nos questions, tout comment nous-mêmes nous travaillons pour nous combattre stigmatisation et combattre discrimination tout. Et qui a fait. Et je crois que c'est là que nous-mêmes nous allons, puisque vous-même, et peut-être on ne connaît pas le statut sérologique, mais vous choisissez le fait que personne ne connaît, peut-être que vous pensez que tout le monde pense que vous êtes correct, et vous pensez que vous avez le droit pour discriminer et l'autre monde qui peut-être a l'autre statut sérologique est différent de vous-même, ou bien a l'autre orientation sexuelle qui est différent de vous-même. Je crois que. Pas même voulait parler de tolérance, moins plus voulait parler de ouverture d'esprit, puisque nous réalisons ensemble dans la conversation ça que très souvent les stigmatisations reviennent à cause d'un manque d'information. Ouvrir l'esprit nous, à informer nous sur internet, chercher qu'on est, faire conversation, poser question, laisser qu'on y en a plus ou moins comprendre et d'être capable vraiment vivre dans une société qui gagne moins stigmatisation. Et qui gagne moins discrimination, le ça nous tout capable vivre normalement. Et ça n'a pas essayé d'y aller, on a parlé de santé sexuelle, mais pendant la conversation, on a tout réalisé que nous fait discrimination avec stigmatisation pour plusieurs bagailles dans la société que nous vivons en Haïti. Sous couleur pour moun, côté le sorti, côté le l'école. Très important, comment l'habiller. Et parents nous ont peut-être levé dans la société. L'aime dit parents nous, on parlé de monde qui dans la génération qui peut-être plus grand passé maintenant. Tu peut-être levé dans la société qui t'est chargé stigmatisation tout là-dedans. Mais très souvent nous couvrir stigmatisation ça ou bien nous légitimer ou bien légaliser si on capable dire comme ça stigmatisation ça au nom de très souvent parfois la morale ou bien la culture etc. Alors que c'est discrimination que lié. Vous comprenez, mon parent qui longtemps pas
t'empêcher petit li parce le fait que l'té l'école tel côté, il pas qu'à parler à l'autre petit monde qui l'école tel côté, c'est gros qu'on tient discrimination que ça. Des parents qui pas accepter que un petit monde qui sorti dans tel quartier qu'a venir jouer sous quartier la caille parle, ça c'est gros qu'on tient discrimination que li. Et nous stigmatiser mon yo. Vous comprenez? Et un monde qui dit que le sorti tel côté dans tête pas ou saisi parce que ou pas penser que monde tel côté qui a peut-être semblé à monde qui campait devant là ou bien capable exprimer même aussi bien que monde qui campait devant là, ça pile problème que nous gagnons et très souvent c'est là pour nous commencer à résoudre problème société. Et si nous résoudre problème société, on a certainement bâti une nation qui pas forcément unie parce que c'est pas évident que nous avons toujours unis et entendre nous sur toute bagaille, mais tout au moins n'a un minimum, n'a un repère pour nous vraiment bâti une bagaille côté que nous pour aller côté que génération future là capable lever nos société qui plus équitable, qui plus juste et qui offre plus opportunités. Pour que et j'en toujours a dit boy c'est là origine au monde pas condamné mais nous condamnons pile monde pour origine parce que nous stigmatiser. Voilà, merci, à la prochaine pour une autre conversation.